C'est comme si nous aujourd'hui là dans l'autre version de Claudie Gassan et le commissaire gouvernement. C'est comme si c'est même mon nom, moi devant là. De plus. Je dis là. De plus, c'est le commissaire gouvernement. Ok, très bien. Il y a un monde qui dit tout que. C'est pas là comme cas gouvernement, ça vraiment pose aux questions. Il y a un monde qui dit international en joue un rôle. Ou encore, je partitionne dans la nomination. Non. Oui ou non. Vrai ou faux. Bon. Question ça, je me dis sincèrement. Ou pas carrément. Pas pour que. Non, pas répondre. Non, pas répondre d'une façon pas. Parce que c'est pas ce que je dis. Si vous ne répondez pas d'une façon pas. Ça, mais parce ça, ça veut dire ou pas de bonne vérité. Là. Non, c'est pas ce que je dis, mais c'est de. Ou dites que vous n'avez pas de preuve. Ou même pas de preuve. Si vous avez preuve, maintenant, vous avez dit que notre garçon, et moi, apprendre que c'est la communauté internationale qui m'a dit président pour nommer. Qui répond bien à ça? Même pas qu'à spéculer. Et puis ce serait pas responsable de ma part d'affirmer quelque chose que je ne peux pas prouver. Ok. On a les mêmes. Donc je vais répondre dans le même sens. Très bien. Ok. Est-ce que communauté internationale là, joue un rôle dans la nomination comme DG ULCC? Ok. Je ne sais pas si la communauté internationale joue un rôle dans la désignation comme directeur ULCC. Mais je suis capable de dire que la communauté internationale a fait des exigences à ce que le gouvernement, l'État haïtien, réponde à demande qui n'a la rue en termes de lutte contre la corruption. Parce que la corruption a empêché le pays à développer. Il a empêché eux-mêmes ou prospérer ou faire progrès. Donc la corruption, c'est le fléau qui a gangrené la société. Donc gagner une demande. Donc ça veut dire que la communauté internationale là fait Claudie Gassan confiance. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je connais simplement, et ce n'est pas sous Claudie Gassan, c'est tout le monde est capable de parler de ça, qui a témoigné de ça, la communauté internationale là, ils voulaient à ce que question corruption, hein, l'État haïtien prend des dispositions, par exemple dans le cadre de convention euro, pour mettre la convention en application, convention contre corruption. Et faire des exigences à ce que y ait des gens qui, est-ce que, c'est-à-dire des gens qui estiment, ou la même douleur, qui est crédible, pour que vous permettez notre fonction ça, pour permettre que vous êtes capable de faire le travail normalement. Maintenant, mon cadre que, il y a pile de spéculation. Il y a un peu de monde qui pense que, faut que son monde, par exemple, qui dit que, mettez un tel là. Moi, beaucoup de gens me chita, et même si pour tout le monde, beaucoup de gens me chita avec un monde, dans la communauté internationale là, qui dit, mon cher, c'est où nous voulons. Ok, très bien, merci, maître. Est-ce que, ça fait 2 semaines? 2 semaines. Ok. Mais vous arrivez, on commence à réfléchir sur qui dossier, on employé pour regarder dans le tiroir, qui est important, je veux dire. Je fonctionne comme ça. Et c'est une bagarre qui fait force. C'est-à-dire que si je n'ai tel dossier, ou même nous avons venu tout, peut-être comme ministre, comme président, comme premier ministre, pour dire fait tel dossier, nous pas fonctionner en termes de râler dossier. Et nous regardons qui dossier, qui prioritaire. Dossier prioritaire, quand on a un grand dossier. Nous avons 20 dossiers, nous avons 30 dossiers, nous avons 60 dossiers, et bien nous choisissons un dossier. Dossier, ça me choisit, après ça me choisit. Nous choisissons parce que son dossier d'envergure qui a fait le travail que nous avons fait dans un laps de temps, et puis pour nous couvrir plus champ. Est-ce que c'est le cas? Actuellement? Mm-hmm. Actuellement, nous avons réfléchi sur ça, nous avons travaillé, sur des dossiers qui ont deux ou trois. L'app difficile pour nous, mais parce que il tape bon qu'on suive, suive et évolution, question. Question, regardez pour eux, et vous regardez, ou après qui genre que ça fait. Déjà, pas petit exemple. DG. Petro-Caribé, on travaille sur lui. Son dossier d'envergure que lié. Et pour nous, on ne pas contre Petro-Caribé. Attendez, bon, monsieur, Petro-Caribé, non, t'as les mêmes jours. Petro-Caribé, on ne parle pas de nous. Attendez, tout le monde a dit Petro-Caribé, mais nous, on ne parle pas de Petro-Caribé. Pour qui ça m'a dit, parce que, regardez, champ de corruption qui entoure sa nouvelle Petro-Caribé, les plus larges, nous-mêmes au niveau de l'ULCC, c'est si nous disons Petro-Caribé, nous allons limiter seulement à question Venezuela. À question fonds Venezuela. Comprenez bien, oui.
il est plus large que ça. Mais vraiment plus large. Mm-hmm. Qui ça gagne tout? Souvle, comme c'est comme ça tout le monde est là, souvle dit que tu vas aider. Où est le problème? Où est le problème? Pour qui ça fait l'exemple? Il n'y a pas qu'un exemple. Nous n'avons pas qu'à être sous le monde. Nous n'avons pas qu'à être sous fait de corruption. Maintenant, nous n'avons pas qu'à être sous fait de corruption. Si quelqu'un qui est en bas, qui a potel, qui a balle force, qui a balle jarret pour potel, potel plus loin, pour faire monter plus haut, eh bien, nous-mêmes, nous cachita sous faire, nous faisons l'entrée à tout le monde en bataille. C'est aussi simple. Dès qu'il y a des textes sous le monde, et puis qu'il y a quelqu'un qui est en bas, corruption, qui a potel monté, qui a balle jarret, quel que soit côté de mon aïe, je ne vais pas mettre le texte à chita sous tête li, sous tête corruption, ou même quand on balle là, là on peut avoir. Donc, il n'y a pas sous même, monsieur fait. Donc, il n'est pas exempté. Ou à travers sur lui. Bon, mon cher, je ne vais pas mettre tout le monde tendre, tout le monde comprendre ça, je vais dire. Mais madame, tout le monde à l'air, nous sommes au café. Nous ne sommes pas, ou pas finir d'elle. Mais, parle du football. Bon, maintenant, sous le nègre, l'on a fait la guerre là, ou pas très, l'on vient faire avant. C'est parce qu'on ne comprend pas que là. Comment faire jouer aujourd'hui à ce ma première ou vous voulez pour nous en complicité avant pour ça. Après Beto Caribe, qui est le dossier encore qui est. Non, je ne dis pas Beto Caribe. Je dis que depuis ce dossier, corruption, je ne vais pas vous prendre un tour d'elle. Il n'est pas obligé un dossier qu'il a déjà. Il y a un dossier qui fait venir, même quand un dossier que nous dépistons. Parce qu'on peut nous dire que. Ils ne sont pas compétents pour tel domaine. Ils pas comme directeur de l'ESCC, ils ne pas qu'à entrer dans la question ça. Nous ne pas entrer dans toute question. D'ailleurs, depuis moi, quoi l'État, nous ne entrer là-dedans. Nous avons un rôle de dépistage. Oh non, mais comment faire qu'on ait une corruption? Je ne sais pas qu'on corruption, mais je vais enquêter sur mal détecter si pas de corruption. Nous avons même regardé la loi, parce que nous toujours dit que, on voit que nous faisons de la loi, nous tout faisons pour nous préparer pour nous. Vous avez des lois qui tout, j'ai remonté à, et tout favoriser, faciliter la corruption. Vous en regardez tout. Mon journaliste qui dit pour me poser une question, ça pour lui, est-ce que l'USCC a une propre unité policière pour mener enquête et pour mener enquête à faire intervention? Et là, nous jouons, à l'état actuel des choses, pendant la parler là, l'USCC n'a pas gagné une unité ça là qui est disponible. Mais elle pourra être disponible. Parce que loi, dans la loi, il prévoit que nous gagnons et propre agent par nous. Dans combien de temps? Oui, très rapidement, oui. Très rapidement, nous gagnons propre agent par nous. Donc, et là, tout dit. Non, mais est-ce que c'est. T'es une brigade déjà, une brigade d'intervention. Bon, pour raison, pour l'autre, nous ne pas joindre, mais elle est là. Parce que pour les sachets, nous faisons plus de travail. Oui, mais côté brigade. Nous faisons plus de travail. Non. Oui, baf, tout. Pour carrer le renfort. Donc, il y a ces propre. Unité pâle. Qui est-ce qu'il faut faire? Propre investigateur pâle. Qu'est-ce qu'il a formé? Non. Il y a une formation, il est formé. Il n'est pas là encore. Il est rentré sous concours. Donc son nouvel. Non, pour des raisons, pour ne pas connaître. Pour des raisons, pour l'autre, je vais me joindre et je dis à l'agence AO et que je vais chercher à comprendre pour qui ça. Mais ULCC, les gagnants, mission sale, capable. ULCC n'a pas besoin de faire appel à d'autres autorités pour les remplir mission de police judiciaire. C'est donc comme Gado, même avec des CPJ, il a posé des actions. Est-ce que, et pas sur base de la loi, il a posé, il a loi défini 4 lits, ULCC a une loi défini 4 lits, mais il a tout dit, mon sacré, le mot, que oui, ULCC a bien propre agent, et gagné, oui, actuellement, il n'y a pas un peu, il y a un nombre réduit. Nous disons ça? À peu près. Ben, on a parlé par exemple sous Port-au-Prince. DG, il y a d'autres questions pour vous. Est-ce que, bien que nous déposons déjà, est-ce que DG Gasson de l'ULCC entend mener des enquêtes sur le Parlement, la présidence, le secteur des affaires et certaines personnalités de l'opposition sur lesquels il y aurait des soupçons de corruption ou encore d'implication dans Petro-Caribé. Question à vous poser, oui, non et oui. Non, la première partie de la question hein, qui a fait distinction entre présidence, parlementaire, etc. Nous ne pouvons pas faire un rôle nous-mêmes. Nous pas battre une mission à tout. Nous avons été sous, et, par exemple, des bails qui étaient un peu déterminés. Mais sur cette question, hein, oui, des faits.
Maintenant, si fait ça, on ne parle pas mal, mais on ne parle pas. Si fait, on mène vers la présidence, mais on vers la présidence. Si fait, on mène vers la primature, mais on mène vers la primature. Si on mène dans le mairie, on mène dans le mairie. Si on mène dans le secteur privé, parce que pas oublier que le secteur privé, en quelque sorte, les petits gens exposent la tête pour qui ça? En pile transaction qui a fait, il faut faire avec l'État. Et pour en pile là-dedans, c'est seul l'État qui client. Donc, automatiquement, on veut permettre que l'ILCC soit capable de regarder qui ça a fait. Mais n'a pas qu'il était sous fait. Vous pouvez passer par fait. Fait, vous menez nous côté, côté, vous menez nous. Si vous avez frappé, vous menez pas. Un parlementaire, c'est pas un parlementaire. L'ILCC n'a pas une limite à ça. Si c'est pas ton président, c'est pas ton président, c'est pas ton premier ministre, c'est pas ton premier ministre. Est-ce que là? Avant de faire une nouvelle là, ou même captant deux vidéos ça là, ou même qui a une douleur qui a mangé. Et ou gen yon gaz, gaz a pa vle kite en repos, gaz a koui moute koui dans tout kòw, gaz a bon problème, ou a fè gaz sou moun, ou a dégobe sou moun, et bien ça fini à toi. Parce que lò gen gaz la nan san, lò gen gaz la nan santé, lò gen gaz la nan ventou, ça ka pote gros maladie pou, sou pa chache retire ça, sou pa chache traiter ça. Et bien on m'a parlé avec wala, gen bouteille nous prepare pou moun gen gaz an dan yo pou moun ka fè ki gen gaz la gonflé ki pa ka supporter deux fois gaz la boule nan vent. Eh bien konya c'est moment pa oublier pour une guérison pour retirer tout gaz sa nan vent ou. Eh bien m pral bon numéro téléphone ça pour rele konya là pour acheter bouteille là pour placer commande là pour soit vivre quelque soit kontorie dans le monde entier ou bien bouteille ça y a voué le ba ou devant porte la caillou pas quitter gaz la tout monter ou parce que gaz son ba qui danger en pile et ça ka pou pas porter en pile gros maladie dans santé ou. Eh bien rele konya numéro téléphone ça là qui c'est 561 692 28 14 561 692 28 14 c'est numéro de téléphone ça pour aller pour acheter bouteille ça qui bon pour retirer gaz dans vent ou même qui t'en gain gaz cap manger gaz employé gaz à bon anemi gaz à faut pas ca supporter et bien relé dans numéro de téléphone ça 561 692 28 14 561 692 28 14 c'est numéro de téléphone ça pour aller pour acheter bouteille ça qui bon pour moun qui gen gaz tout côté bouteille pour gaz côté ou gen gaz l'ap aide ou merci en pile.